à tous. Bienvenue à cette nouvelle conférence organisée par le MCC. Donc le MCC, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est le Mouvement Chrétien des Cadres et Dirigeants. Et cette conférence est organisée par le MCC en partenariat avec La Croix ce soir. Nous avons le plaisir d'accueillir Marie Dansert, journaliste à La Croix qui se présentera tout à l'heure. Nous avons le plaisir d'accueillir également ce soir Gabriel Gauthet et Michel Lepetit que Marie présentera. Cette conférence s'inscrit dans le pré-congrès qui est celui du MCC sur le thème passeur d'avenir au cœur des transitions. Et dans les transitions, il y a la transition écologique. Nous avons déjà accueilli plusieurs personnes sur différentes thématiques depuis cet automne. Et ce soir, nous abordons le vaste thème de l'énergie, de la transition énergétique, avec la grande question, quelle révolution pour nos vies? Je vous précise que les intervenants parlent en leur nom privé, et éventuellement pour Michel, au nom du chiffre, je lui laisserai le soin de préciser. Et cette session dure jusqu'à 21h15. De 20h à 20h45, il y aura un échange avec Gabriel Gauthet et Michel Lepetit. Et ensuite, de 20h45 à 21h15, nous poserons les questions que vous aurez posées pendant ces trois quarts d'heure dans le chat. Une nouvelle fois, un très grand merci à nos deux intervenants et à Marie Dansert de La Croix. Marie, c'est à toi. Bonsoir à toutes et à tous. Jérôme, tu as déjà tout dit, hein, je suis journaliste au quotidien La Croix, au service économie, où je suis plus spécialement en charge des questions climatiques et environnementales qui ont une dimension économique. Donc ça fait un champ très très vaste, ça va de la finance durable aux dernières innovations sur les panneaux solaires. Voilà, le champ est vaste. Aujourd'hui, on va se focaliser sur l'énergie. Alors, on peut clairement dire que la transition, c'est maintenant. Alors, Michel Lepetit, sans doute, a ce discours depuis un certain temps, mais là, on est probablement quand même dans... On parle beaucoup de cette dernière décennie, là, un peu la décennie de la dernière chance. En France, on a le projet de loi climat qui va être examiné fin mars en plénière à l'Assemblée, qui va commencer à être traité en commission à partir de lundi prochain. On a l'État qui a été condamné, l'État français, pour inaction climatique. Les États-Unis qui sont rentrés dans l'accord de Paris, là, récemment. On a beaucoup d'actualités autour du climat. Comme journaliste économique, je peux témoigner que pas un jour ne se passe sans qu'une entreprise dévoile son empreinte carbone, sa trajectoire pour réduire ses émissions de CO2. Et puis, on a, nous, en toile de fond, Laudato si, qui est paru en 2015, mais qui est plus que jamais d'actualité, cette encyclique du pape sur notre relation à la planète, à l'environnement et une relation globale. Alors, on peut se dire, dans toute cette actualité et nous, dans tout ça, comment est-ce qu'on comprend, espère, agit? C'est un peu le triptyque, le motto que propose ce cycle de conférences organisé par le MCC. On va donc en parler avec Gabriel Gauthet et Michel Lepetit. Alors, Gabriel Gauthet, bonsoir. Vous êtes vice-présidente de Total en charge de la neutralité carbone. Et votre objectif, c'est d'apporter des solutions innovantes à Total et à ses clients pour améliorer leur efficacité énergétique, réduire leur empreinte carbone et développer des activités de puits de carbone naturel et industriel. Michel Lepetit, ensuite, donc vice-président du Shift Project. Vous êtes le principal think tank en France de la transition énergétique et climatique vers une économie bas carbone. Alors, pour démarrer ce premier temps, ce que je vous proposerai à tous les deux, c'est de s'arrêter un petit peu sur le comprendre, parce que bon, voilà, l'idée, c'est qu'on démarre un peu en ayant quelques grandes lignes, quelques grands enjeux à l'esprit. Alors, on va vous proposer un regard un peu macro, entre guillemets, avec Michel Lepetit, et puis un regard d'entreprise avec Gabriel Gauthet. La règle du jeu, on s'est mis d'accord sur l'idée de que vous parliez chacun 5 minutes, et je serai intransigeante. Ce soir, c'est moi, la maîtresse des horloges. Commençons peut-être par l'aspect un peu macro. Michel Lepetit, avec ce défi de résumer en 5 minutes, la transition énergétique, pourquoi et avec quels enjeux? Qu'est-ce que c'est, avec quels enjeux? Voilà, je vous laisse vos 5 minutes. Merci Marie. Donc, Michel Lepetit, je suis vice-président du Shift Project. On n'est pas le principal think tank, mais c'est vrai qu'on travaille, on travaille beaucoup sur ce sujet-là depuis assez longtemps. Moi, ça fait 20 ans que je suis sur ce sujet de la transition énergétique et climatique. Alors, je vais essayer de faire très, très court sur l'énergie. L'énergie est partout. Ça, c'est un discours qu'on tient, qui est difficile à entendre. C'est même pas du tout évident chez les économistes, sachez-le. Mais nous, on prétend que l'énergie est partout, et donc c'est un sujet clé de développement de nos sociétés depuis maintenant, je dirais, quelques millions d'années, encore plus depuis quelques centaines de milliers d'années avec le feu, puis après, plein de types d'énergie qu'on a développés, avec une accélération qu'on sait tous, d'ailleurs qui est reprise dans l'encyclique, qui est la révolution industrielle depuis 2 siècles.
Là, on est passé à la vitesse supérieure dans la consommation d'énergie avec les énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz. Cette énergie, elle est vraiment vitale. C'est le cœur de l'économie. Et donc, le défi, c'est de souvent de faire comprendre ça. C'est facile pour quelqu'un qui a fait de la physique, une culture scientifique. Ça l'est plus pour des gens qui n'ont pas cette culture-là. Et pour autant, on sait qu'effectivement, on a besoin de courant pour vivre, on a besoin de pétrole pour vivre, on a besoin d'énergie pour vivre. Et quand on n'a pas cette énergie, tout s'arrête. C'est l'image qu'on pourrait donner dans l'autre sens. Si vous n'avez plus d'énergie, alors l'économie s'arrête très, très, très rapidement. C'est même désastreux quand on a des grosses pannes de courant. Je ne vous parle pas du Texas pour l'illustrer, mais il y a beaucoup d'autres illustrations que vous pouvez avoir. Quand l'énergie se met à dysfonctionner, tout s'arrête dans l'économie. Il se trouve... Malheureusement, et je reviens en arrière sur l'histoire économique, il se trouve que nous avons pris un virage il y a 2 siècles, en tout cas collectivement, d'abord en Occident, puis après pour le reste de l'humanité, sur les énergies fossiles, qui ont d'énormes vertus. Beaucoup, enfin, il y a un côté extraordinairement pratique dans les énergies fossiles, et on parlera peut-être du pétrole, qui est la plus belle de toutes les énergies. Et il se trouve que cette énergie-là, quand on la consomme, elle a un effet désastreux sur l'atmosphère. Alors, c'est tout ce que vous connaissez maintenant sur le GIEC. Nous, on s'est battu sur ce sujet-là depuis 20 ans. Aujourd'hui, on peut dire qu'en 2021, il n'y a plus trop photo. En tout cas, en France, le débat est un peu derrière nous, mais ça a été un long combat de faire admettre à tout le monde qu'il y avait un vrai problème sur l'énergie fossile et la consommation d'énergie fossile. Or, quand je vous parlais de l'énergie et vous disant qu'elle était fossile, il y a 30 ans, 80% de l'énergie dans l'humanité était fossile. 30 ans après la création du GIEC, 80% de l'énergie de l'humanité, et on consomme beaucoup plus d'énergie qu'il y a 30 ans, est toujours fossile. Donc, on voit le défi, il va falloir réduire fortement, voire très, très, très fortement, notre consommation d'énergie fossile. Or, c'est le cœur de notre système énergétique. Et encore une fois, l'énergie, elle est partout. Donc, c'est vraiment un défi. Tout est dans le titre de la réunion de ce soir. Hein. C'est une révolution. Voilà, ce n'est pas une simple évolution, ce n'est pas une simple transition. D'ailleurs, le terme transition énergétique qu'on utilise parfois, je sais qu'il est très contesté, parce qu'on n'est plus dans la phase de la transition maintenant. On est dans un changement de civilisation, dont le pape, d'ailleurs, parle assez clairement dans l'encyclique. C'est, on change de civilisation, il va falloir qu'on vive autrement. Comment le faire et comment, alors là, on revient à la transition, comment passer de ce monde totalement dépendant des énergies fossiles à un monde qui ne l'est plus, voilà, sachant qu'on va être sous contrainte. Mais je reviens et je vais finir là-dessus. Le cœur du problème qu'on a, nous, c'est que le sujet climat, il est admis, il est partout. Les gens ont compris qu'il fallait faire cette transition. Et donc, vous qui êtes des acteurs de l'économie, ben vous le voyez dans le journal. Hein. Il y a 20 ans, quand je me suis engagé dans le sujet, c'était un article toutes les semaines, peut-être, dans les Échos ou dans les journaux économiques. Aujourd'hui, c'est toutes les 3 pages des Échos. Voilà, donc, pour vous dire, et c'est omniprésent. Ce sujet est omniprésent, envahissant. Et pour autant, le combat qu'on mène, nous, au Shift Project, depuis maintenant très longtemps, sur le rôle central de l'énergie, sachez qu'il n'est pas gagné. Les gens n'ont toujours pas compris ça. Ça reste très, très compliqué. Et pour autant, enfin, moi, le témoignage, c'est qu'effectivement, si c'était simple, on l'aurait fait, cette transition. Moi, on peut même raisonner par l'absurde. Si c'était si simple de se passer des énergies fossiles, je pense qu'en grande partie, on aurait enclenché le mouvement. Or, pour l'instant, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais le mouvement est très peu enclenché. Voilà. C'est un défi pour les années qui viennent. Merci beaucoup, Michel Le Petit. Ça va faire une excellente transition pour Gabrielle Gauthier, qui est une des actrices de ce changement, vue d'une entreprise qui est quand même pas banale, puisqu'on est typiquement sur une entreprise pétrolière qui est en train de faire sa révolution probablement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Gabrielle Gauthier, qu'est-ce que c'est que la transition énergétique vue depuis Total ? La première précaution que je prendrais, c'est que je ne m'exprime pas ce soir au nom de Total. Je m'exprime à titre personnel, de par mon expérience à la fois de Total, que j'ai rejoint il y a 2 ans, mais également engagée dans la transition énergétique des territoires à la Caisse des dépôts comme directrice des investissements au cours des 5 dernières années. Donc, je ne suis pas mandatée pour parler au nom de Total. Simplement, effectivement, il se trouve que j'ai la chance d'être aujourd'hui au cœur dans une entreprise qui est au cœur de cette transition. Et pour qui, ce n'est pas un nice to have, c'est une urgence absolue. C'est-à-dire, le mouvement qu'a entamé Total, ce n'est pas uniquement sous l'impulsion de quelques ONG qui lui veulent du bien, c'est vraiment un mouvement profond, une prise de conscience, et puis c'est poussé non seulement par l'environnement, par les gouvernements, mais par ses actionnaires, ses investisseurs, et Total est confronté tous les jours à cette question. Il a décidé, plutôt que de subir, d'agir, et donc de renverser effectivement et d'entamer cette transition
qui va prendre des décennies, hein, ne soyons pas, mais de la prendre à bas le corps pour aller vers des énergies qui soient moins carbonées que celles qui a fait sa puissance et au cours des dernières années, qui est le pétrole et le gaz, dans une moindre mesure plus récemment, mais le gaz également. Alors, moi, il se trouve que j'ai la responsabilité justement d'essayer de créer, d'accompagner en fait ce mouvement pour Total, mais également pour un certain nombre de ses clients, et donc d'essayer d'apporter un certain nombre de réponses et de construire en fait des choses d'avenir. Je ne suis pas la seule, hein, l'entreprise est très modestement. Je dois dire que devant Michel, qui était venu essayer de me convaincre d'investir dans des choses vertes, il y a déjà un certain nombre d'années, donc c'est quand même beaucoup plus récent pour moi comme engagement, mais c'est majeur et avec la chance d'avoir des moyens et dans une entreprise pour qui c'est vital. La première question, c'est quels moyens on met sur l'innovation. Et la totalité aujourd'hui de l'innovation de l'entreprise Total est orientée vers le bas carbone. On pourra y revenir, une grande partie de ces investissements vers les renouvelables, les énergies de demain. Mais aussi vers des énergies, on ne va pas aller vers la fin du pétrole demain. Le gaz, ne soyons pas chauvins, hein, l'Europe a ses problèmes, mais on ne peut pas dénier aux trois quarts de la planète qui veulent encore se développer, pour qui les énergies sont essentielles pour leur développement, on pourra en reparler, hein, les pays en voie de développement ont besoin d'énergie. Donc la frugalité énergétique ou la moindre consommation pour eux n'est pas une option. Par contre, consommer mieux est une option. Donc, le gaz est une très bonne énergie de transition. Quand on n'a pas réussi à faire cette transition et on n'arrivera pas du jour au lendemain à avoir une énergie verte, il faut réduire, capter. Et donc, on est engagé dans ce mouvement avec un certain nombre d'acteurs, dont l'entreprise Greenflex, acquise par Total il y a quelques temps, qui fait de l'impact environnemental, mais également à travers des solutions qui captent le carbone, qui l'enfuit, donc qui essayent de rendre moins polluantes nos raffineries, un certain nombre de nos clients, et également en développant des puits de carbone, industriels, donc le CCUS, on capte le CO2 dans des puits déplétés ou des aquifères salins, ou on investit dans des puits de carbone naturels que sont les forêts. Et puis, on essaie d'investir d'autres vecteurs d'énergie moins carbonée que sont l'hydrogène. Voilà. Alors, moi qui ai vécu d'autres révolutions avant, j'ai passé 20 ans dans le numérique, alors que le numérique a un très grand impact sociétal, hein, là, je rejoins tout à fait Michel en disant que ce sont des enjeux géopolitiques et sociétaux essentiels, c'est-à-dire que tout le monde est impacté. C'est pour ça que la transition écologique au cœur de nos vies, encore peut-être plus que par le numérique, il y a d'ailleurs un lien entre les deux, mais avec des mouvements d'interpénétration, c'est-à-dire qu'on ne va pas du jour au lendemain atteindre une trajectoire qui nous mènera vers le degré, 1,5 degré, qui est quand même la cible que nous voulons atteindre. Et donc, c'est des choix à la fois politiques, courageux, qu'il faut faire, parce que les entreprises toutes seules n'y arriveront pas. C'est des choix de société fondamentales. C'est un choix fondamental de société. Et d'ailleurs, la réponse des différents continents n'est pas forcément la même. Donc, d'où la difficulté et d'où l'intérêt de notre débat peut-être ce soir, Marie. Merci beaucoup à tous les deux. Vous avez brillamment relevé le défi de faire 5 minutes et même un peu moins pour tous les deux. Grand merci à vous pour toutes ces informations vraiment données de manière très concise, et c'est très dense. Ça lance très bien notre première partie. Je vais profiter parce que je n'ai pas utilisé tout mon temps. La transition énergétique, c'est la production d'énergie. Donc c'est vrai que Total soit là ce soir, c'est important parce qu'effectivement, il y a les trois robinets, le gaz, le charbon et le pétrole. Mais après, c'est toute l'utilisation de l'énergie qui arrive derrière. Et il faut que vous ayez en tête, vous, auditeurs, hein, l'exemple le plus frappant, je trouve, du point de vue du tissu économique, c'est ce qui se passe sur l'industrie automobile, notamment en Europe. Alors, c'est peut-être un peu moins vrai dans d'autres pays, pas dans d'autres régions, mais en Europe, mais aux États-Unis aussi maintenant de plus en plus. Quand on voit cette industrie automobile, c'est quand même 13 millions de personnes en Europe, une industrie automobile colossale, c'est une principale industrie européenne, elle est baignée de cette transition. C'est un traumatisme, c'est une révolution pour elle. Donc, on peut avoir conscience que maintenant, le sujet ne concerne plus seulement les énergéticiens, il concerne toute l'économie. Alors, on a en tête, bien sûr, l'industrie lourde, mais sachez que tous les secteurs vont être concernés. Voilà. Donc, même où vous soyez, quel que soit votre secteur, vous êtes concerné par la transition. Gabriel Gauthier, est-ce qu'on se demande chez Total
comment demain on va se passer du pétrole et qu'est-ce que ça va impliquer dans nos vies, dans notre manière de se transporter, de construire des bâtiments. Est-ce que c'est une question qui... Puisqu'on nous dit que l'énergie, Michel Le Petit l'a dit, que l'énergie était partout. Oui, l'énergie irrigue toutes nos vies. Donc, effectivement, on est déjà, depuis un certain nombre d'années, engagé, comme je vous le disais, dans la construction de grandes fermes solaires ou éoliennes, en fait, donc dans la production massive d'une énergie beaucoup moins carbonée, durable, mais également, évidemment, dans le secteur que mentionnait Michel, dans l'automobile, on essaie d'accompagner une demande ou un shift de la demande, sans faire de jeu de mots avec le shift, vers l'électrique. Hein. On a Total acquis récemment Total E-Charge. On a d'ailleurs gagné la concession de Grand Paris. Simplement, le rythme de cette demande, on voit bien toute la difficulté de faire adopter le véhicule électrique. L'appréhension des gens, qu'il n'y ait pas assez de recharge, la crainte que les réseaux électriques ne suivent pas. Donc c'est un écosystème d'équilibre et de balance en fait assez subtil qui doit et puis donc c'est la poule et l'œuf également hein, donc tant qu'il n'y a pas beaucoup de voitures, il n'y a pas beaucoup de bornes de recharge, tant qu'il n'y a pas de, donc les gens hésitent en fait à acquérir une voiture électrique pour ils ont peur de faire de longues distances sans trouver de bornes de recharge. Donc on voit bien que c'est l'industrie automobile est soumise à un certain nombre de quotas d'émissions. Donc, comment accompagner en fait ce mouvement? Comment accompagner la demande? On a vu tout le débat. Avec tous les efforts que peut faire une entreprise comme Total, elle est quand même très dépendante de l'acceptabilité sociétale et de la demande finale. C'est pour ça d'ailleurs que les engagements que peut prendre une entreprise comme la nôtre, elles dépendent quand même beaucoup également de l'accompagnement par les gouvernements de cette bascule de la demande. On a quand même vu la révolte des Gilets jaunes à toute taxe carbone. Or, tout ce qu'on peut construire sur le long terme nécessite, c'est un peu technique, mais un prix du carbone. Moi, tous les business models que je peux faire dans les puits de carbone naturels, dans l'hydrogène vert demain, on fait des hypothèses. On a d'ailleurs un prix du carbone interne dans l'évaluation des investissements qu'on peut faire dans une entreprise comme la nôtre, mais dans toutes les entreprises qui sont orientées vers des investissements verts. Ça dépend beaucoup de l'environnement. Ça dépend beaucoup de et donc dans l'environnement, il y a les réglementations, il y a un prix du carbone, un marché du carbone. Et cela, on l'a ressenti dans les tripes de nos territoires avec la révolte des Gilets jaunes. Michel Le Petit, sur cette question des outils qui peuvent faciliter la transition, taxe carbone, réglementation, qu'est-ce que vous voyez de primordial à actionner? Alors, encore une fois, moi je m'adresse, je vous parle à la fois comme vice-président du CHIFT, mais je suis aussi réfléchi de façon autonome et aussi en tant que chrétien sur ces sujets-là, mais je vais vous parler de beaucoup de réflexions personnelles. Sur les outils de politique publique, toute la palette doit être mise en œuvre. Donc, comme l'expliquait Gabriel, sans doute le sujet du prix va jouer, mais on en voit les limites. Les limites, c'est dans les gilets jaunes ou c'est dans les pays avec une forte subvention à l'énergie. Dès qu'on touche à ces subventions, c'est parfois des révoltes et parfois des révoltes extrêmement dures. Quand on réfléchit à la situation au Brésil, par exemple, le Brésil a plusieurs fois été totalement à l'arrêt parce que les conducteurs de camions se sont mis en grève et ont bloqué le pays. Et des exemples comme ça, il y en a une foultitude qui sont suivis de près, d'ailleurs, par le FMI depuis maintenant une dizaine d'années, parce que le sujet de la subvention à l'énergie, il est partout. On parlait de la taxe. L'autre sujet, c'est la réglementation. Et on revient sur un sujet, enfin, l'analogie, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est vrai que l'énergie, ça ressemble un petit peu à une drogue d'un certain point de vue. Et s'en passer, c'est très, très difficile. La drogue comme le tabac, la puissance publique, pendant longtemps, n'a pas trouvé les moyens de lutter. Et on a utilisé le prix, et d'ailleurs on continue d'utiliser le prix, hein, le prix de la, comme vous connaissez les fumeurs qui vous parlent du prix de la cigarette, on passe par. Et souvent d'ailleurs, quand on discute avec des spécialistes de santé publique, c'est par des chocs de prix que soudain il y a une baisse de la demande. Parce que quand la progression de prix se fait progressivement, ben, en réalité, le fumeur, il accepte de continuer à payer de plus en plus cher, même si le prix devient exorbitant. Et on voit bien que c'est aussi par la réglementation. Réfléchissez qu'à une époque, il y a encore quelques dizaines d'années, on fumait dans les bureaux collectifs, alors qu'on savait très bien les dommages que ça avait pour la santé collective. Et maintenant, ça serait impensable de revenir en arrière. Ceci dit, quand je vous dis ça, on voit bien que quand on a touché à la limite de vitesse, et je reviens sur les gilets jaunes, parce que c'était un des déclencheurs avec l'augmentation du prix, on voit bien la sensibilité de la population
Et c'est vrai en France, et c'est vrai dans d'autres pays. Moi, je me souviens toute ma vie, quand l'Espagne, alors qu'elle était dans une situation économique désespérée il y a quelques dizaines, pas une dizaine d'années, quand on a commencé à évoquer le fait de limiter la vitesse sur les autoroutes, ça a été un tollé. Voilà. L'Espagne s'était révoltée contre l'augmentation limitation des vitesses. Donc, c'est compliqué la réglementation. Et le troisième levier, bien évidemment, c'est la sensibilisation. Voilà. C'est la pédagogie, c'est apprendre aux gens, expliquer. Donc, on essaie de faire ça aussi. On s'est beaucoup battu au Shift sur le volet qui était de faire en sorte que, au niveau des étudiants en France, sur tous les premiers cycles d'étudiants, quel que soit le cycle, hein, qu'on soit en formation scientifique ou non scientifique, donc même littéraire ou d'autres types de formations en gestion, tous ces premiers cycles aient un tronc commun pour comprendre la transition énergétique et climatique, qu'ils comprennent de quoi on parle, c'est quoi les tenants et les aboutissants. Après, c'est facile d'expliquer la partie la plus scientifique de la chose, hein, le GIEC, le rapport du GIEC, vous avez un groupe 1, groupe 2, c'est la science du climat, c'est les impacts du climat, ça c'est scientifique. Après, le groupe 3, c'est social, c'est sociétal, c'est l'économie de tout ça. La dimension sociétale, elle est beaucoup plus critiquable et beaucoup plus critiquée, elle évolue. Et pendant longtemps, c'est vrai que le discours unique, c'était « il faut un prix du carbone », et il faut un prix du carbone, les amis préconisaient aussi qu'on ait un prix du carbone, mais on voit bien que ça ne suffira pas tellement la transformation va être importante. Et je reviens sur... Pour moi, le sujet qui est fondamental pour moi, c'est qu'il faut qu'on ait un État qui soit capable d'expliquer vers où on va. Et ça manque aujourd'hui en France et ailleurs. Hein, les politiques n'ont pas encore assez cette vision de où on va. Et est-ce qu'ils peuvent l'avoir? Parce qu'on est un peu tous dans le bleu, quelque part. Pendant longtemps, c'était un discours sur « c'est le marché qui va nous dire comment on fait pour régler la question ». Depuis quelques dizaines d'années, c'était un discours tout marché. Moi, je suis plutôt libéral. Et je ne crois pas du tout que sur le sujet énergétique, on puisse... L'énergie, ce n'est pas des crayons de papier comme l'explique Milton Friedman. Ça, c'est une vision pour les clowns. Non, l'énergie, c'est vital de vital. Voilà, c'est un sujet qui est géopolitique. On sait que c'est une préoccupation centrale des États. C'est aux États de s'impliquer. C'est aux États de dire où on doit aller. Après, c'est compliqué de le dire parce que quand on le dit, il faut une volonté, il faut un discours clair. Nous, on préconise vraiment qu'on aille vers un plan, c'est-à-dire qu'il y a un plan pour nous dire vers quoi on veut aller, notamment pour indiquer aux entreprises ce qu'elles doivent faire. Alors, est-ce que Gabriel Gauthier, justement, qui représente l'entreprise aussi, vous avez parlé vous-même de la réglementation de manière spontanée, le rôle de l'État dans tout ça? Alors, avant d'aller au rôle de l'État, je dirais que c'est pour rebondir sur ce qu'on disait, parce que vous me disiez ça touche, est-ce une entreprise comme Total, essaye d'imaginer comment ça touche, parce que là, on est en train de dire en quoi ça touche la vie des gens. Ça touche un nombre incalculable de secteurs. Ça touche le transport et la mobilité. Dieu merci que la mobilité est quand même. Ça touche le résidentiel, l'habitation, les moyens de se chauffer. Si on change, regardez tous les débats sur le changement de chaudière au fioul, au gaz, etc. Enfin, avec des politiques publiques qui ont changé, des discours contradictoires au cours des années récemment. Donc les ménages ne savent plus très bien. Quel s'azoué, ça touche à l'alimentation, ça touche à... Enfin, l'énergie touche, et cette transition, elle touche énormément la façon dont on s'habille, enfin, voilà. Ça nous touche aussi comme travailleurs, en fait, enfin, au sein des entreprises. Tout à fait, et ça touche... Alors, là est venu se greffer, la crise Covid, qui fait que le changement d'habitude de travailler... impact également, hein, la façon de travailler, donc le transport aussi. Je pense que moi j'étais dans une entreprise où on n'hésitait pas à prendre l'avion pour aller à une réunion d'un jour ou deux à l'autre bout de la planète. Je l'ai fait pendant des années. Je pense que ça, c'est pas que la crise du Covid qui va nous aider à arrêter ce genre de et puis les réunions Zoom vont nous y aider, mais je pense que ça. Même quand on sera sorti de cette fichue crise, je pense qu'on aura perdu ce type d'habitude un peu aberrante pour la planète. Donc ça voilà un point. Deuxièmement, je lis un certain nombre de questions là qui se disent, mais je crois que sur le rôle des États, là encore, c'est pas très facile parce que on part de bases qui sont très différentes en termes de sources d'énergie. Nous, on est un des rares pays européens où le nucléaire qui est décarboné,
mais qui a ses pros et ses contres, est important. Mais nos voisins de l'autre côté, alors qu'ils sont si importants d'ailleurs dans l'équilibre des réseaux européens, les Allemands, ils ont un mix énergétique très très différent. Ils partent de bases très différentes. Ils ont encore des centrales à charbon. Ils sont allés vers les renouvelables plus vite, mais ils ont voilà. Les Belges sont en train d'arrêter leur centrale nucléaire. Nous, on a tout un débat parce que c'est une des énergies les moins polluantes, d'un point de vue carbone. Alors, est-ce que considère que le carbone ou pas ? Enfin, voilà. Donc, on part de bases assez différentes. Or, dans l'énergie, il est difficile de faire une politique nationale, puisqu'on est quand même très. Il est difficile d'avoir une économie de la voiture uniquement à l'échelle d'un pays, sans que ça soit quand même un peu plus européen et un peu plus vaste. Donc là, on touche, rien que là, on touche une difficulté. On est très interconnecté et en même temps, on part de bases très différentes. Et alors, je rebondis sur ce que vous dites et ce que disait Michel Le Petit. Michel Le Petit plaidait pour un plan. Est-ce que vous, vous dites ben, il faudrait presque un plan européen dans ce cas-là ? Et comment une entreprise voit ça ? Alors, à chaque fois qu'on le peut, on plaide effectivement, nous, pour un plan, minimum un plan européen. On essaye. La planification des investissements d'une entreprise comme la nôtre et puis de nos confrères, elle ne se fait pas à l'échelle seulement d'un pays. Et donc, c'est clair que. Mais on voit, je prends l'exemple par exemple de l'hydrogène aujourd'hui. Eh ben, les politiques publiques des États, même au niveau de l'Europe, sont très différentes. Les soutiens, même s'il y a un soutien de l'hydrogène, certains soutiennent l'hydrogène bleu, c'est-à-dire fait à partir de la décarbonation du gaz naturel, où on capte le CO2. C'est les pays traditionnellement pétroliers d'Europe du Nord, la Norvège, les Pays-Bas, l'Angleterre, et ils envisagent d'ailleurs, eux, un prix du carbone, ou en tout cas des taxes carbone au-delà de l'ETS, qui est le marché donc, européen, le Green Trading Scheme, donc, pour le marché européen du carbone. Justement, voilà, pour permettre de donner de la visibilité aux industriels qui veulent planifier ces investissements. Il y a des pays qui ne veulent pas entendre parler de ça. Il y a des pays pour qui même le captage de CO2, la France en faisait d'ailleurs partie, il est en train de changer. L'Allemagne ne voulait absolument pas entendre parler. Il n'y a que les renouvelables et l'hydrogène vert. Donc, ils ont des attitudes et des soutiens aux politiques publiques très différentes. Le plan à l'hydrogène français qui est en train de se mettre en œuvre, il est beaucoup plus vert que bleu. Voilà. Donc, et alors que les Pays-Bas, qui ne sont pas très loin de nous, ont un soutien à l'hydrogène bleu beaucoup plus affirmé. Donc, d'où la difficulté d'avoir l'hydrogène, qui est un vecteur de décarbonation, on pourra en reparler, important. Il ne faut pas magnifier ce qu'est l'hydrogène. Ce n'est pas quelque chose de très nouveau. C'est quelque chose d'ailleurs d'assez, à 90%, très polluant aujourd'hui dans sa production, puisqu'on fait 10 tonnes de CO2 pour une tonne d'hydrogène. Mais si on arrive à décarboner cet hydrogène, ça peut être un vecteur d'énergie très important pour la mobilité, pour les gros camions, par exemple. Mais également pour la décarbonation de l'industrie, pour le chauffage, les Allemands l'envisagent également. Voilà. Alors, en vous entendant, je me dis, est-ce qu'une des difficultés, en tout cas un des enjeux, c'est un peu la tension entre l'urgence de la situation, l'urgence climatique, et en même temps, on entend, ça prend du temps, les entreprises, ça ne se réforme pas en claquant des doigts. Michel Le Petit, peut-être là-dessus, sur cette tension entre deux horizons, en fait, fin du monde, fin du mois. Oui. Je pense qu'on a évoqué là tout ce qui était technique. Les entreprises sont là pour faire des progrès et pour qu'on fasse des progrès techniques. Et il faudra qu'on fasse des progrès techniques. Et d'ailleurs, il y a des techniques qui sont simples à utiliser. Hein. Réduire la consommation d'énergie dans les bâtiments, ça ne demande pas des miracles de technologie. On a tout ce qu'il faut comme technologie pour mettre en œuvre. Donc là, c'est qu'un choix. Autant je peux vous dire que c'est très, très compliqué de fabriquer de l'acier, du fer sans charbon et sans énergie fossile. Ouais. Autant réduire la consommation. Et donc, je pense qu'il y a un double discours qu'on doit avoir. Il y a un discours qui est il faut qu'on fasse des projets pour améliorer les choses, il faut qu'on consomme moins. Ça, je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. On devra consommer moins d'énergie. Et ça, c'est un discours qui, pour les politiques, est très, très difficile à tenir. Je le comprends d'ailleurs. C'est souvent assimilé au débat qu'on a, vous connaissez bien, sur la décroissance. Le sujet, c'est vraiment utiliser le mot sobriété. Il faudra de la sobriété. Je reviens sur les grands enjeux. 95 à 98% de la mobilité dans le monde, c'est du pétrole.
parce que c'est très très pratique le pétrole, c'est juste une énergie génialissime. Donc c'est, on comprend qu'on a construit 1 milliard de moteurs à combustion interne qui utilisent du pétrole pour faire de la mobilité, pour transporter des gens, pour transporter des biens. Tous les navires fonctionnent à partir de pétrole, tous les avions, tous les camions, et une grosse partie des trains. D'ailleurs, il n'y a pas d'illusion. En France, on a des trains qui sont électriques avec de l'énergie décarbonée, mais dans la plupart des pays, les trains, c'est aussi du carbone. Donc, toute la mobilité, elle est en jeu. C'est intéressant de ce point de vue-là de voir la Covid. La Covid, c'est un choc sur la mobilité, pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir, hein, qui est de la santé, mais on en voit les conséquences. Voilà, ça remet en cause des choses. Et je vous parlais des effets induits. Réfléchissons, par exemple, à la dépendance qu'on a en France au tourisme, notamment au tourisme de masse. Est-ce que le tourisme de masse est vraiment pérenne ? C'est quand même une question qu'on aurait dû se poser avant la Covid, à vrai dire. Et du coup, finalement, on peut se demander quelle croissance sans énergie fossile, quelle croissance si sobriété il y a ? Comment une entreprise réagit, effectivement, quand on lui dit, bah, écoute, il va peut-être falloir faire moins de profits ou voilà, vendre moins de barils ou ne plus vendre de barils un jour ? Une autre économie. Elle réagit en essayant de se tourner vers de nouveaux marchés. Donc, pardon, Michel, elle essaye. Le discours de la décroissance, c'est inaudible. Alors, de la frugalité, c'est autre chose. Et le discours, alors, c'est très difficilement, il faut dire ce qui est, hein, c'est très difficile à entendre dans un monde qui a été quand même celui le dogme de la croissance a eu ses effets, notamment avec l'après-guerre. Et puis, c'est inaudible, je le redis, c'est difficile dans nos géographies, c'est inaudible pour les pays en voie de développement. C'est inaudible en Afrique, je connais assez bien l'Afrique pour avoir. De quel droit allez-vous nous refuser une croissance et donc une consommation accrue d'énergie ? Parce que pour croître, il faut consommer de l'énergie. Donc il faut mieux consommer, pas moins consommer. Par contre, oui, je crois quand même à l'efficacité énergétique, au bien fondé de l'efficacité énergétique. C'est-à-dire qu'on peut consommer autant d'énergie, en moins d'énergie ou mieux d'énergie. C'est d'ailleurs l'entreprise Greenflex que je préside. Est engagé dans cet impact environnemental, dans cette amélioration des processus, grâce à de l'innovation technologique, grâce à de l'emploi de sources d'énergie moins carbonées. Enfin, il y a tout un tas, on a fait tout un catalogue de solutions de décarbonation des entreprises pour qu'elles continuent à croître. Voilà. La question... Alors, après, ça c'est les entreprises. Par contre, individuellement, dans nos comportements, et là, je vois, on est quand même au MCC en tant que chrétien, il y a la date aussi. Les grands effets, c'est quand même l'effet de la multitude et donc de nos comportements individuels. Et moi, je dois dire, j'y suis venue effectivement à cette transition énergétique, bien sûr, par mon nouveau poste chez Total, mais j'y suis venue aussi parce que j'ai beaucoup entendu et j'ai des jeunes adultes, dont une qui m'écoute là, qui m'a beaucoup, beaucoup quand même. Intrigué, et il réfute, il se permet de critiquer un certain nombre de modes de vie qui a été le nôtre en disant nous on est prêt à autre chose et on est prêt à cette sobriété, à cette frugalité que prône Michel, à la fois dans le mode d'alimentation, dans le mode de vie, de transport. Ils sont prêts à renoncer, à aller au bout du monde, faire du tourisme de masse comme on faisait. Donc voilà. Donc il y a quand même, je trouve, dans les jeunes, et puis mes collaborateurs sont comme ça. Alors là, vous parlez de cette transition. Comment, dans ce que vous soulevez, je trouve qu'il y a la question comment est-ce qu'on assure une transition juste ? Vous avez parlé tout à l'heure des gilets jaunes. Vous avez parlé des pays qui sont en voie de développement et qui aspirent à vivre mieux, et pourquoi leur refuser ? Il y a des enjeux d'emploi, il y a des publics qui sont précaires et à qui c'est compliqué d'expliquer qu'il va y avoir une taxe carbone. Comment on fait pour, peut-être Michel Le Petit, pour prolonger un peu ce que disait Gabriel Gauthier, pour accompagner ce mouvement ? Actuellement, au Shift, on a ce qu'on appelle un plan, on a un grand projet qui est un plan de transformation de l'économie française où on essaie de mettre en œuvre, mais avec des moyens assez conséquents. Pour la première fois depuis 10 ans que le Shift existe, on a quand même des moyens un peu plus importants parce qu'on a fait un appel au financement. On est financé traditionnellement par les entreprises, mais là, on a appelé à ce que des individus, des personnes physiques nous aident et nous appuient. Donc, on a des moyens pour faire une grosse étude comment transformer plusieurs secteurs. On en a regardé, il y a une gamme assez large, des secteurs classiques comme le secteur énergétique ou l'industrie lourde. On regarde aussi des sujets comme la santé ou la culture parce qu'on pense aussi que la santé et la culture vont devoir vivre une transition. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de données, on n'a pas forcément beaucoup d'éléments chiffrés, hein, sur la santé, la culture et l'impact énergétique de la transition,
Mais quand on y réfléchit, on voit vite qu'on a des qu'on a des problèmes. En tout cas, on a des défis devant nous, même dans ces secteurs-là. Et pour la culture, par exemple, pour ne parler que du tourisme, voilà, le tourisme culturel, c'est un sujet. Comment c'est compatible avec la transition qu'on va vivre, ce n'est pas d'une évidence criante. Donc, ce plan de transformation, il a deux grands enjeux pour moi. C'est regarder la cohérence d'ensemble. Parce que souvent, les gens font des grands plans sur la comète, mais quand on regarde la cohérence globale du plan, ben, en fait, on a plein de contraintes qui interagissent. Car comme... c'est cyclique, ça, tout est lié. C'est vraiment tout est lié. Dans l'énergie, tout est lié. Il faut faire attention à ce qu'on raconte. Si on veut avoir 1 milliard de véhicules électriques sur la planète, eh ben, ça ne marche pas. Voilà, c'est juste un non-sens. C'est plus compliqué que ça. Il faut regarder toutes les conséquences de tous les enjeux de ce qu'on veut faire. Et c'est plus compliqué que ce qu'on raconte. Voilà. Donc, il y a cette dimension-là. Mais il y a surtout une deuxième dimension pour nous, c'est pour l'acceptabilité sociale. Alors, on ne s'est pas mis sur le sujet de la redistribution, qui est un grand sujet, encore une fois, sur les gilets jaunes, on a bien vu ce que donnait, pour le volet de l'emploi. On pense qu'un des sujets majeurs de la transition, ça va être faire en sorte que les secteurs vont gagner, d'autres secteurs vont être plus en difficulté. Comment on fait pour accompagner ça et pour accompagner du point de vue de l'emploi le mieux possible cette transition pour que ça soit acceptable? Il y a eu trop de transitions dans le passé qui ont été très difficilement acceptables. La globalisation qu'on a connue pendant 30-40 ans, elle a beaucoup de vertus, mais elle a eu quand même des effets collatéraux assez forts qui sont reconnus d'ailleurs maintenant par tous les économistes. Donc, si on pouvait être un peu plus prudent sur la transition en disant, tiens, comment on fait pour... Je vais vous donner un exemple qui est très difficile, qui est très compliqué. Moi, je n'y connais pas grand-chose dans le secteur agricole, mais c'est bien sûr un secteur clé de la transition. On voit bien que sur le sujet agricole, on ne peut pas continuer à faire diminuer le nombre d'agriculteurs. Ça n'a pas de sens. Parce que pourquoi on a fait diminuer le nombre d'agriculteurs? Parce qu'on a mis du pétrole et encore du pétrole et encore du pétrole dans l'agriculture. C'est hyper, hyper, hyper mécanisé, notre agriculture. Elle est franchement pas durable. Est-ce qu'on est prêt à accepter collectivement d'avoir plus d'agriculteurs, de payer plus cher les produits agricoles pour avoir des produits agricoles de meilleure qualité? Ça, c'est des grands sujets de société. Nous, au chiffre, on ne peut pas tout raconter. Hein. C'est, encore une fois, il y a beaucoup de politique derrière tout ça et ce sera des débats politiques. Mais en tout cas, on a certaines certitudes. Il y a des secteurs sur lesquels il y aura des grosses mutations. Il faudra voir comment on peut compenser les secteurs où il y aura plus de difficultés parce qu'il y en aura. Ça, c'est certain. Gabriel Gauthier, peut-être un mot sur cet accompagnement. Et comme en Total étant une grosse entreprise, est-ce qu'on peut aussi imaginer des solidarités inter-entreprises, hein, d'entreprises qui ont les moyens de se convertir, de faire cette transition, et d'autres qui seront perdantes? Et est-ce qu'on peut imaginer comme ça aussi des solidarités d'une entreprise à une autre? Oui, ça existe. J'ai en tête, pour avoir un peu traîné mes guêtres dans les associations professionnelles, au MEDEF, etc., par exemple le secteur de l'aviation, qui est un secteur qui était en plein essor et qui souffre terriblement, à la fois les constructeurs, le secteur de l'aviation. Il y a eu toute une solidarité au sein de France Industrie pour employer ces jeunes ingénieurs qui avaient été formés, pour des bataillons d'ingénieurs qui avaient été formés pour aller vers le secteur de l'aviation dans les autres secteurs. Et ça commence à marcher quand même pas mal. L'autre sujet, c'est, j'entendais Michel parler donc, d'agriculture. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'avec le réchauffement climatique, j'étais à midi avec un de mes camarades de promotion qui est patron de Groupama. Il me dit, mais ce qu'on ne dit pas, donc les assurances des agriculteurs, etc., c'est que globalement, depuis 20 ans, la production agricole baisse. Et c'est un effet inexorable du réchauffement climatique. Donc, la production agricole dans nos pays baisse très sensiblement. Okay, voilà. Et donc, les récoltes baissent. Et donc, il y a un sujet de mutation. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? D'abord, on peut régénérer cette agriculture. Nous, on essaye, les entreprises comme Total, c'est pas les seules. Nous, on a mis en place, dans mes équipes, toute une équipe de forestiers qui essaye de générer des crédits carbone. Donc, quand on n'a pas réussi à diminuer, on essaye de régénérer la planète. Donc, donc d'investir dans soit de la déforestation évitée dans des géographies où il y a de la déforestation, soit de la reforestation là où on peut, soit même de la régénération de sols agricoles. Parce qu'il y a des techniques d'agroforesterie qui régénèrent qui en plus captent le carbone. C'est des techniques de captation du carbone. Le sous-sol capte encore mieux le carbone que les arbres, faut le savoir. Donc moi j'ai appris des choses hein, très modestement, ou les tourbières, ou les océans aussi. Bon. Et donc, c'est quand même des gros investissements qu'une entreprise comme Total est prête à consentir pour régénérer et aider ces secteurs-là. Donc,
il y a par la génération de crédit carbone. Donc ça c'est un des exemples de solidarité également transsecteur. Qui aurait cru que Total investirait massivement dans de la reforestation, de la déforestation invitée, de l'agri-agroécologie et des chaînes de valeur du carbone agricole dans des pays où les populations en ont le plus besoin. Alors, on ne dit pas trop, hein, parce que c'est tout de suite, oui, vous faites ça parce que machin, mais c'est la vérité. Voilà, c'était la compensation carbone est un sujet compliqué. Je vous propose qu'on passe peut-être aux questions de l'Assemblée. Là, on arrive au bon moment. Oui, juste un dernier point. Je peux faire juste une proposition, parce que quand on avait fait le brief de la réunion, il faudrait qu'il y ait des propositions pour agir. Donc, nous, on a ce plan de transformation, on propose d'agir sectoriellement, donc chaque secteur pourra retrouver ses petits. Mais il y a des sujets qui sont plus collectifs. Moi, j'en ai un qui me met à cœur depuis longtemps, c'est celui des syndicats professionnels. Toutes vos entreprises dans lesquelles vous êtes, là, les membres qui écoutent, vous êtes dans des entreprises qui sont dans les professionnels. Traditionnellement, on a créé nos syndicats professionnels pour gérer d'abord les ressources humaines, comme vous le savez, avec les accords sociaux qu'on connaît, hein, par branche. Et on a une logique qu'on a beaucoup poussée au niveau européen de compétition au sein d'un secteur. Et d'ailleurs, les syndicats professionnels, souvent, ils sont victimes de cette compétition parce que tous les acteurs d'un syndicat professionnel, ils font compétition les uns avec les autres. Et on peut considérer qu'effectivement, c'est peut-être une bonne chose qu'il y ait de la compétition pour améliorer les produits, voilà, qu'il n'y ait pas de monopole et tout ça. Moi, j'invite quand même, face aux défis qu'on a, est-ce qu'on ne pourrait pas sortir un peu de la boîte logique et se dire que dans un syndicat professionnel, ça serait bien d'instaurer de la coopération, de faire en sorte que les entreprises d'un même secteur, pas qu'il y ait une entente, mais qu'il y ait une coopération face aux défis vertigineux qu'ils vont avoir pour gérer cette transition. C'est un de mes sujets, j'aime bien le citer souvent, s'il y a des gens qui sont dans les syndicats professionnels, qui y réfléchissent, il faudrait qu'ils changent leur statut, par exemple, qu'ils changent les statuts du syndicat pour faire en sorte que le syndicat lui-même, par exemple, peut-être ait des ressources, se dote de moyens, se mette quelques millions d'euros sur la table pour créer un laboratoire pour, dans ce secteur-là, qui se mettent à réfléchir à la question. Et ça montrerait la volonté de coopérer plutôt que d'avoir ce discours de l'Union européenne qui commence à me fatiguer. La compétition. C'est sympathique, la compétition. Et enfin, ça a des limites par rapport aux enjeux qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est une bonne entrée en matière aussi pour les questions. Jérôme, je pense qu'il y a on a vu beaucoup de questions là, défiler dans le chat, donc tu as dû avoir un gros travail de tri. Au moins une quarantaine de questions. Il y a la question de l'énergie, elle est là parce que on a des usages, des habitudes qui nécessitent cette consommation d'énergie. Donc il y a une réflexion sur les usages, notamment donc sur le transport. On a parlé du véhicule électrique. Alors certains disent est-ce qu'il y aura assez est-ce qu'il y en aura assez pour tout le monde ou seulement pour les riches? Peut-être certains d'autres disent de toute façon, il n'y aura pas assez d'électricité. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y aura pas assez d'électricité? Les scénarios de RTE montrent que la consommation d'électricité va baisser en France, même avec les voitures électriques. Et puis certains disent, bon, c'est très bien la mobilité, les voitures électriques, mais est-ce que la priorité en France, ça ne serait pas plutôt l'isolation des bâtiments? Donc en termes de priorité pour réduire, hein, on l'a bien dit, Michel le Petit l'a rappelé notamment, la priorité, c'est de baisser notre consommation énergétique. Le bâtiment est un gros poste, le transport est aussi le premier poste d'émissions de CO2 en France. Mais certains disent, ce boulot d'isolation thermique, parfois, il est mal fait. Donc, comment faire en sorte qu'il soit mieux fait avec des entreprises qui fassent bien le boulot, des entreprises qui soient qualifiées et qui ne fassent pas un travail bâclé? Voilà. Donc ça c'est peut-être sur les usages, comment on peut vraiment réduire nous à notre échelle notre consommation d'énergie sur les transports, sur les bâtiments, quelle est la priorité? Donc c'est une partie de questions, et puis après il y a des questions sur, et finalement est-ce qu'on pourrait pas s'orienter sur un quota carbone individuel? Alors là je laisserai le soin à nos deux invités de dire ce que ça veut dire aussi en termes de combien de tonnes de CO2 par an aujourd'hui par personne on doit arriver d'ici 2050, hein, de 12 à 2 tonnes, je spoil un peu les chiffres. Vous êtes déjà cette question sur les usages. Je ne rentre pas trop dans la question de la pollution des batteries parce que là, on n'a pas le temps, mais effectivement, c'est une question. Juste un petit mot d'abord sur les limites. On a bâti une société sur une vision de sans limite, d'absence de limite.
comme dirait Hélène Alassida, c'est incroyable d'avoir découvert la limite ces derniers temps. La première limite étant effectivement maintenant la limite climat. C'est-à-dire tout est lié. C'est-à-dire qu'on découvre que les milliards d'individus sur la planète qui émettent du CO2, mais en fait, on est tous solidaires de ces émissions et qu'il y a une limite à ça. Voilà, c'est une limite physique. On peut en offrir une partie, comme a dit Gabriel, mais on ne se fait plus trop d'illusions maintenant, ça ne suffira pas. Donc, il faudra de toute façon qu'on subisse des limites. On peut s'en affranchir ponctuellement, éventuellement par d'autres alternatives. Et vu la quantité d'énergie fossile qu'on consomme, et puis sur certains sujets, c'est quand même très, très compliqué. Je reviens sur la production de métal et d'acier. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu grand-chose de concluant. Or, du métal, ça, c'est vital de vital. Je veux dire, sans l'acier et sans le fer, notre société est très, très différente de la société actuelle. Si vous faites un peu d'histoire, vous verrez. Donc, cette contrainte, ces limites, c'est un vrai sujet. C'est un sujet presque anthropologique. Voilà, il y a une contrainte physique. Et moi, une chose qui me stupéfait, et qui est dans mon histoire personnelle, parce que j'ai 60 ans, donc j'ai vécu le choc pétrolier. On a vécu une contrainte physique sur le pétrole. On était à des consommations de 7% de croissance de pétrole avant, et on est passé à 2,5% après. Et le choc a été d'une violence, ça a été en France quand même le chômage de masse, et je lisais un article récemment sur la fécondité des Français, un des chocs de la fécondité, c'est 73, voilà. La natalité en France, elle a baissé derrière. Donc, pour vous dire que le choc, ça a été d'une violence quand même assez terrible. C'était une violence sociétale lourde. On a changé, de mon point de vue, on a changé de monde après les années 70, quand on a buté la première fois. Donc là, on est en train de buter sur d'autres limites, mais c'est des limites douces, en fait. On a le sentiment qu'on fait des choses, mais on ne fait pas grand-chose. Je pense qu'on revient un peu sur le comprendre, ce qu'on voit autour de... Enfin, moi, ce que je vois autour de moi, notamment dans la sphère financière, je vois une prise de conscience qui monte de tous les dirigeants en disant « il faut qu'on fasse quelque chose ». Et on est en train de bâtir des scénarios, et les scénarios sont de plus en plus rapides, en disant qu'il faut vraiment aller très, très vite. Donc, cette limite-là, c'est vrai qu'elle nous impose d'être assez radicale, et on va vers une radicalité du sujet, à mon avis, qui ne va pas s'arrêter. Ça, je peux vous témoigner sur ce sujet, ça ne baisse pas. Juste un petit mot sur les bâtiments, je reviendrai peut-être après sur le quota carbone, mais sur les bâtiments, évidemment, ça semble le sujet le plus simple. Il y a un effet que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'effet rebond. On a dans tous les sujets d'efficacité énergétique. Quand vous améliorez l'efficacité énergétique, par exemple d'un véhicule, les gens roulent plus loin. Parce qu'en fait, ils ont un budget pour l'essence, ça leur permet d'aller plus loin et on n'a pas forcément eu le gain qu'on pensait avoir. C'est la même chose pour les bâtiments. Pour autant, c'est effectivement une chose prioritaire. Nous, au Shift, on se bat depuis 10 ans sur ce sujet-là. On a travaillé sur le passeport aussi électronique qui devait accompagner les logements. Donc, on a des dizaines de millions de logements à améliorer. Là, il faut travailler sur le stock, hein, pas sur les nouvelles constructions, mais sur l'ancien. On bute sur des sujets politiques très, très simples. Nous, au Shift, on a une préconisation depuis très longtemps, c'est qu'au moment d'une mutation d'un bien immobilier, il y a une obligation de rénovation. Mais il faut que vous sachiez que politiquement, pour l'instant, ça n'a jamais été endossé par qui que ce soit, parce que ce type de contrainte est quand même une contrainte assez légère. Hein. Je vous parle de la mutation d'un bien. Donc, il n'y a quand même pas des cas de mutation tous les 4 matins. Et quand il y a une mutation d'un bien, un changement de propriétaire ou un décès, ben on pourrait essayer à ce moment-là de préconiser le fait d'améliorer l'efficacité énergétique. Politiquement, jusqu'à récemment, ce sujet-là était inaudible. Et je reviens sur lequel j'ai travaillé longtemps, qui était les bâtiments publics. Moi, je me suis battu entre 2013 et 2014 sur la rénovation massive des bâtiments publics en Europe et notamment en France. Une de mes découvertes, c'est que le sujet climat n'était pas du tout, mais pas du tout, du tout prioritaire dans le secteur du bâtiment. Il y a 150 000 autres contraintes dans le secteur du bâtiment, qui sont toutes louables. Le handicap, pour ne pas le citer, parce que pour moi, c'est un sujet qui m'est cher. Et il y a plein d'autres sujets comme l'amiante, l'accessibilité, les ascenseurs, enfin, pas c'est les meilleurs, l'hygiène de vie. Enfin, il y a plein de choses dans les bâtiments, mais sur le climat, il n'y avait pas grand-chose, je peux vous dire. Et donc, d'imposer des choses, c'est en train de se faire. Hein. On est en 2021, il aura fallu un certain temps pour que soudain, on impose au secteur public, collectivité locale ou État, le fait d'être plus sérieux vis-à-vis des bâtiments. Ne serait-ce nous ce qu'on préconisait il y a 7 ans, c'était de dire, bah, au moins si on rénovait les écoles, ça a un effet pédagogique sur les familles, les parents et les enfants pour dire, tiens, ils ont rénové, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un effort aussi chez nous pour le faire? Voilà, donc c'est quand même compliqué parce qu'on on dit qu'on fait des choses, mais ça reste très très compliqué. La Convention citoyenne sur le climat, elle montre bien les difficultés, les limites qu'on a politiquement pour faire bouger certains sujets. Alors avant de passer, merci beaucoup.
Oui, Gabriel Gauthier, oui, avant de passer à la... Sur la rénovation des bâtiments publics et de l'éducation, justement, c'était un des sujets sur lesquels je m'étais attaquée à la Caisse des dépôts. Ce n'est pas très facile de trouver les modèles de financement. Les collectivités locales et l'État n'ont pas des moyens financiers qui sont ce qu'ils sont. Donc, essayer de trouver et d'attirer des fonds privés, c'est ce que j'ai essayé de faire, en fait, dans des PPP, sur la rénovation des bâtiments, par exemple, des universités, ou de tous les bâtiments de la maternelle éducative, par exemple, qui sont la majorité des bâtiments publics, ce n'est pas très facile de trouver les modèles de financement, justement. Et donc, j'entendais, en fait, un certain nombre de gens qui disaient, oui, il y a eu énormément de charlatans sur les résidences privées, rénovation de vos combles à 1 euro, etc. Puis on vous mettait un petit peu de polyuréthane ou de machin et l'entreprise disparaissait. C'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a des effets d'aubaine, parce que là, il y avait du soutien public, les C2E, les fameux certificats d'économie d'énergie, qui finançaient en fait la rénovation de ces combles. Donc, ce n'est pas très facile. Dès qu'il y a un peu d'argent public, il y a effectivement des tournements, donc il faut un peu faire attention. Mais je ne sais pas s'il faut commencer par ça, ou il faut tout mener de front, parce que certains disaient ce qu'il faut plutôt l'usage, les transports. Je pense qu'il faut quand même, et là, c'est un des effets paradoxaux, peut-être un effet paradoxal de la crise, c'est la modification de nos modes de vie. Et encore une fois, le transport aérien va sortir profondément modifié, parce qu'il va repartir, je pense, après Covid, etc., mais pas du tout sur le train d'explosion, notamment de transport aérien professionnel. Il va être profondément modifié, parce que les habitudes de travail des gens auront été profondément modifiées. Et là, il y a eu quand même une modification du comportement individuel, je crois profondément. Sur ce comportement individuel, il y a pas mal de questions là qui touchent à la 5G. Alors, on ne va pas ouvrir le grand débat de la 5G, mais quand même, le digital aujourd'hui, c'est 4% des émissions de CO2 dans le monde, qui pourrait doubler d'ici 2025, donc représenter 8%, ce qui est l'équivalent du parc automobile mondial. Et du coup, c'est déjà aujourd'hui plus important que le secteur aérien. Donc, plusieurs personnes se posent la question, et pourquoi la France fait le forcing sur la 5G? Pourquoi on en a besoin, sachant que ça ne va pas du tout dans le sens de diminuer notre consommation énergétique? Donc, il y a cette question-là. Il y a la question de la production de l'énergie. Pourquoi ne pas produire l'énergie au niveau local? Voilà. Certains s'interrogent sur les aberrations des grandes fermes solaires ou sur les grandes fermes d'éoliennes et se dire pourquoi on ne la produit pas plutôt locale, de grandes fermes, voilà, comme les télécentrales nucléaires pour le nucléaire. Et puis il y a des questions qui vont un peu plus loin, un autre type de question qui dit les révolutions se sont toujours faites dans la violence, est-ce que la révolution écologique ou énergétique, ou les deux d'ailleurs, pourrait-elle y échapper? Et peut-être une question plus d'ordre de l'entreprise, quelle place est donnée aux jeunes générations dans les entreprises pour exposer leur point de vue et se confronter à celui de leurs dirigeants? Est-ce que vous avez une question là? Sachant que, je répète, on a encore un tout petit peu de 15 minutes, le triptyque des conférences qu'on propose, c'est comprendre, espérer, agir. Là, je pense qu'on a bien compris les enjeux. Espérer, il y a quelqu'un qui disait, mais où on en est? Est-ce que vous pouvez donner des exemples d'innovation industrielle qui amène à baisser nos émissions de CO2, qui amène à baisser notre consommation d'énergie. Ça serait des traces d'espérance, sachant que je précise que les sources d'énergie décarbonées, etc., c'est très bien, mais comme on l'a dit plusieurs fois là, durant ces trois quarts d'heure, la priorité principale, c'est diminuer notre consommation d'énergie. Et ensuite, à la fin, vraiment, quelles sont les pistes d'action, mais ça, on le verra tout à l'heure, les pistes d'action qui peuvent être proposées à la bonne centaine de personnes qui nous écoutent. Merci. Je peux peut-être dire un tout petit mot, parce que j'ai œuvré pendant 20 ans dans les télécoms, donc le débat sur la 5G, en étant régulatrice même des télécoms, donc le débat sur la 5G, oui, alors, la 5G, c'est un outil de compétitivité essentiellement pour l'industrie, il faut voir ça. Hein. Donc, c'est pas, effectivement, je rejoins un peu ceux qui disent qu'il n'est pas forcément indispensable tout de suite dans les campagnes, d'ailleurs, c'est pas ça qui va permettre de mieux couvrir les campagnes. En revanche, je peux vous dire que l'industrie des télécoms et l'industrie du numérique, et en particulier les GAFA, ont une grande conscience aujourd'hui de leurs responsabilités. Alors, c'est peut-être, c'est pas des philanthropes,
C'est simplement qu'ils sont, comme l'entreprise dans laquelle je suis, ils sont soumis à une très grande exigence de leurs investisseurs, des ratings financiers qui, de plus en plus, et tant mieux, les obligent à ça. Et qui prennent des engagements extrêmement volontaristes, non seulement d'être neutre zéro, carbone neutre en 2050, mais de compenser depuis leur naissance leurs émissions. Donc, des entreprises comme Microsoft, Google, Amazon Web Services, Orange, etc., sont en train d'être, ils nous demandent, ça peut paraître ahurissant, ils nous demandent, nous, de commencer à co-investir dans les puits de carbone industriels. Est-ce qu'il n'y a pas des endroits où, dans le CCUS, qui est l'endroit où on capte, on liquéfie le carbone et on l'enfuit, ils sont prêts à co-investir avec nous pour compenser, pour générer des crédits carbone et pour compenser les émissions négatives, les émissions qu'ils ont pu générer depuis leur naissance, qui l'eût cru. Donc, en fait, il y a une très grande proximité en ce moment entre les énergéticiens et ce genre d'entreprise qui, effectivement, aussi solarisent leur data center, etc. Donc, ça, c'est la première chose. Est-ce qu'on pourrait pas être plus décentralisé plutôt que ces grandes fermes qui polluent, peut-être, solaires, etc. Oui, la transition énergétique, elle passe par davantage de local, de décentralisation, de solarisation fine, etc. Alors, après, il y a un sujet. Ce n'est pas tellement est-ce qu'il y aura assez d'énergie, mais c'est est-ce que les réseaux vont suivre. Les réseaux de nos régions sont construits pour être très top-down, avec des grosses centrales nucléaires et des réseaux très hiérarchiques. Et donc, la question même des bornes électriques, ce n'est pas tant est-ce qu'il y aura assez d'énergie, d'électricité, c'est est-ce que les réseaux vont tenir le coup. Et là, il faut réinvestir et réinverser, d'ailleurs, toute l'architecture des réseaux électriques qui ont été conçus pour être one-way et pas descendant, donc il va falloir qu'il soit bidirectionnel aussi. Donc là, il y a toute une révolution également de l'architecture de nos réseaux énergétiques qu'il va falloir refaire. Maintenant, dans l'espoir, l'espoir, c'est déjà quand même l'espoir des nouvelles générations et de leur prise de conscience et de leur générosité sur le sujet, c'est-à-dire de leur capacité à faire des sacrifices sur leur mode de vie peut-être ou d'être beaucoup plus engagés. Et moi, je trouve que tous les jours, et mes jeunes ingénieurs, je peux vous dire que c'est, ils me bluffent quelquefois sur le sujet. Ensuite, on travaille activement par exemple, capter le CO2. Et non pas simplement l'enfuir avec c'est des sujets très coûteux, mais capter le CO2 non seulement dans les boissons gazeuses, mais capter le CO2 dans le ciment, par exemple, où il sera capturé pour des dizaines et des dizaines d'années. Donc il y a quand même un certain nombre de recherches qui sont faites, mais Michel en a peut-être d'autres en tête, d'innovations technologiques qui vont faire qu'on va… Bon, alors, on va travailler bien sûr sur capter le CO2, fabriquer des e-fuels pour l'aviation qui soient moins polluants et qui permettent de capter l'avion à hydrogène. Je ne suis pas sûre que ce soit pour demain. Donc, et ensuite, tout le travail qu'on va faire sur remplacer ou injecter le gaz naturel qui est quand même polluant par de l'hydrogène, ça c'est le début d'une révolution aussi. Voilà ce que je peux dire, mais je laisse la parole à Michel qui peut peut-être compléter sur toutes ces questions. Merci Gabriel. Moi, je vais avoir un discours plus global parce que je suis ingénieur de formation, donc je crois beaucoup au progrès. Mais par contre, je ne crois pas que le progrès à lui seul soit la solution, enfin le progrès technique soit la solution à la transition. Le défi est plus important que ça. Et on ne me coupera pas à toucher au sujet de la sobriété. C'est incontournable quand on fait les calculs et qu'on regarde les trajectoires. Je reviendrai sur le digital parce que c'est quand même assez exemplaire. Le Shift s'est penché sur le sujet digital il y a 3-4 ans. C'est Luc Verbeuf notamment qui a pris ce dossier-là en main et qui connaissait bien le sujet. Et on n'a pas fait d'études de fond, on a juste collecté tout ce qui existait comme données sur le sujet, comme rapport, comme études, parce qu'il y a quand même pas mal d'études qui avaient été faites. Et quand on fait une synthèse de tout ça, on pointe du doigt un problème grave. Voilà, c'est que le digital est très, très, très carboné. Voilà, c'est carboné non seulement dans la consommation des flux d'informations, comme quand on fait un Zoom, c'est aussi quand on remplace son téléphone par un autre téléphone. Tout téléphone ou tout écran, c'est que du carbone. C'est beaucoup de charbon consommé en Chine ou ailleurs, mais souvent en Chine d'ailleurs. Donc, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'émissions de CO2 avec des croissances qui ne sont pas tenables. Une de mes préconisations pour les entreprises, c'est que vous jetez tous les tableurs Excel à la poubelle. C'est une machine à extrapoler débile. Voilà. Les tableurs Excel, c'est une catastrophe. Parce que quand on regarde, c'est ce qu'on avait dans la croissance du trafic aérien à plus 5% qui devait être arrêté jusqu'à la fin des temps, c'est la même chose sur le digital. Le plus 8% du digital,
ça n'est pas possible. Donc ça s'arrêtera à un moment donné, je ne sais pas très bien quand, mais il y a une limite à tout ça. Pour l'instant, le plus 8%, c'est plus 8% de charbon quasiment à chaque fois. Et vous avez l'archétype du digital au digital, le plus digital et le plus carbonique qui soit, c'est le Bitcoin. Quand vous, si vous connaissez un peu le sujet du Bitcoin, vous découvrez que ce n'est que du charbon. Voilà, c'est pour faire des Bitcoins. La voiture autonome ne verra pas le jour parce que c'est un monstre de carbone. Donc juste, je vais faire la parenthèse. Donc ça... On a des sujets qui sont difficiles sur le digital, mais par contre, le digital peut apporter des solutions. Donc, il faut regarder ce que le digital apporte comme solution et il peut en apporter. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a des visions du digital qui sont sympathiques, mais qui ne sont pas compatibles avec ça. Le deuxième point, c'était l'espérance. Donc, moi, je pense que le data aussi, c'est un grand moment d'espérance, mais ce n'est pas propre à ce que moi, je ne vais rien prétendre sur le data aussi. Par contre, c'est vrai qu'au Shift, par exemple, ce qu'on a qui m'a fasciné, je reviens sur les jeunes, ce n'est pas que des jeunes, mais on est une association qui est tournée vers l'entreprise, on n'avait pas du tout prévu d'avoir des particuliers, et là, en l'espace de 3 ans, on a 8000 personnes qui nous ont rejoints, qui sont des bénévoles, qui veulent travailler avec nous, nous aider, nous apporter leurs compétences. D'ailleurs, on les met à contribution en tant que bénévoles sur beaucoup de chantiers, et je trouvais ça très sympathique. Alors, ce n'est pas la France entière. Bien sûr, c'est des gens qui sont très typés, ils sont plutôt supérieurs, plutôt milieu urbain. Mais pour autant, je me suis dit, tiens, ça, c'est un signe, il se passe des choses. Ça correspond à tous les mouvements que vous voyez un peu dans la société autour du sujet du climat et prend de plus en plus d'ampleur. Je voudrais aborder quand même le sujet que tu as évoqué, Jérôme, sur la violence. Moi, c'est un sujet qui m'est cher parce que je vois bien une société qui devient un peu... Et Michel, juste pour prolonger la question de la violence, il y a une question qui vient d'être posée et qui rejoint cette question-là. Si on n'y va pas volontairement vers la sobriété, est-ce qu'on y sera contraint ? Je reviens sur la société de violence. Moi, c'est une chose qui me fait peur. Et qui me fait peur parce qu'on a outre-Atlantique un exemple assez surprenant depuis 4 ans, mais qui n'est pas, c'est pas lié à une personne. C'est une société qui. C'est un mouvement qui se développe et qu'on voit aussi apparaître chez nous. Hein. C'est une violence dans le débat, notamment. Et je crois que les réseaux sociaux ont beaucoup amplifié le phénomène. Et ça correspond aussi à des personnes qui sont désemparées. Et la transition crée de l'angoisse avec des mouvements que vous connaissez. Hein. Le site ne porte pas ce discours sur la fin du monde et le catastrophisme. Mais on a un discours sur le catastrophisme qui devient assez prégnant un peu dans toutes les sociétés occidentales. Et je pense que ça va même se généraliser si on continue à ne pas prendre plus sérieusement le sujet. Donc, nous, on essaie de se battre contre ça. On est conscience aussi de la réalité. Ça peut devenir assez braquant, il faut faire attention actuellement, parce qu'on voit bien dans les discours qui sont tenus, dans les tribunes, là où il y avait de la sérénité, il y a moins de sérénité. Alors, je ne sais pas si la Covid a en plus amplifié les choses, hein, le fait qu'on ne se voit plus, qu'on se discute par Zoom. Je ne pense pas que Zoom soit un bon outil pour avoir un vrai dialogue, un vrai échange. C'est mieux que rien, mais rien ne vaut la vraie présence physique pour s'expliquer, pour vraiment se parler, pour plus échanger. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai peur de cette violence, parce que c'est un réflexe qu'on peut voir apparaître d'agressivité, qui peut toucher même les entreprises. Je pense que les entreprises, d'ailleurs, elles ont conscience de ça. Pour l'instant, c'est plutôt une violence. Moi, je dirais que c'est plutôt... c'est un néologisme, hein, l'expression, c'est réputationnel. Vous avez des ONG qui attaquent soit l'État, soit des entreprises, avec des campagnes assez fortes, qui sont parfois de plus en plus violentes, souvent dans d'autres pays, mais en France aussi. Il y a une certaine violence qui commence à s'exprimer. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention, qu'on soit tous vigilants. Après, c'est aussi le pendant d'un certain nombre d'entreprises qui ont tendance à avoir un discours et pas beaucoup d'actes. Donc, il faut des entreprises qui agissent vraiment. Et il faut aussi un État qui n'est pas seulement un discours, mais qui a aussi des actes, avec des actes qui sont d'une grande ampleur. Voilà, si on veut vraiment avoir une trajectoire qui corresponde à décarboner l'Europe, voire la France, on parlait du plan, il y a un plan européen pour décarboner, il faut faire des choses qui soient, je dirais, entre guillemets, assez radicales. Voilà, donc ça, on va vivre politiquement avec ce sujet-là, il ne va pas disparaître. Le sujet climat, il est là pour durer. Il y a une question qui revient souvent, c'est la comptabilité carbone des entreprises. Est-ce que ça ne pourrait pas être une des solutions pour réorienter l'économie vers ce gros enjeu qu'est la diminution de la consommation d'énergie et donc la baisse de nos émissions de CO2. Donc, deux mots sur la comptabilité carbone. C'est mes amis de Carbone 4 là, qui sont sur ce sujet. C'est Jean-Marc Moscovici qui a inventé le bilan carbone en France, tout avec l'ADEME. Maintenant, c'est un outil de politique publique qu'utilisent les entreprises. Donc, c'est l'idée de voir, comment voir ruisseler l'énergie à travers les entreprises, notamment les énergies fossiles, puisque l'essentiel de l'énergie est fossile. On va voir ruisseler dans l'entreprise. On peut regarder, effectivement... Si on mettait un signal prix sur ce carbone, les entreprises verraient mieux comment elles sont affectées au fait qu'il y aurait un signal prix carbone. Donc, c'est quand même très, très lié, pour moi, à des contraintes qu'on mettrait sur l'énergie sous forme de signal prix.
Alors ça pourrait être aussi, ça pourrait les sensibiliser. Il y a un quota carbone par personne, est-ce que c'est réaliste ou est-ce que c'est... Parce que, à titre personnel, je pense que c'est bien, il faut continuer à le faire, mais ça ne suffit pas. À un moment donné, on se pose la question comment on ferme les robinets du charbon ou du pétrole, voilà, et ça va être des robinets compliqués, et je ne vois pas comment on le fera sans la réglementation. Alors pour le coup, ça reste c'est très utopique ce que je vous dis, parce que pour l'instant, on n'a rien fait du tout. Donc j'attends de voir, mais c'est mon espoir, c'est que la prise de conscience fasse qu'à un moment donné, on se prenne vraiment au sérieux et qu'on se dise maintenant, il faut qu'on commence à réduire. Et d'ailleurs, si on ne le fait pas volontairement, ça s'imposera. C'est ce qu'a dit le pape sur la nature. La nature, elle ne va pas subir ça éternellement, donc elle réagira. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des comptabilités carbone. Ça ne peut pas être seul. Chaque entreprise ne peut pas avoir sa comptabilité carbone, un prix du carbone. Ils ont un prix, un shadow price du carbone. Mais comme le dit Michel, s'il n'y a pas un prix du carbone qui s'impose à elles, elles vont se tirer une balle dans le pied. Il y a aussi la place de la finance, mais qu'on abordera davantage dans une autre conférence courant mai sur les fonds activistes, par exemple, qui ont mis entre guillemets à genoux Emmanuel Faber dans une entreprise qui essaye de concilier l'efficacité sociale, environnementale et économique. Donc là, c'est une question que je réserverai peut-être pour la prochaine conférence. En vous adressant à ces quelques centaines d'auditeurs ce soir, qu'est-ce qu'à partir de demain ils pourraient faire dans leur vie personnelle ou leur vie dans leur entreprise, dans la structure dans laquelle ils travaillent, qu'est-ce qu'ils pourraient commencer à initier de manière concrète? Parce que agir rend heureux et du coup, être dans une dimension d'action, dans une dynamique d'action, est porteur d'espérance. Juste peut-être un petit mot, moi, je l'ai vécu, si vous voulez. J'ai vécu même cette transformation, ça fait seulement 2 ans que je suis chez Total. Et j'ai vécu cette montée, cette vague. De prise de conscience interne. Il y a une prise de conscience externe. Il y a d'abord une prise de conscience sous l'influence des ONG qui venaient taguer l'aule de Total, etc. Ensuite, il y a une prise de conscience sous l'influence de la finance et des investisseurs qui est très importante. Et donc, c'est très bien que le MCC se penche là-dessus une prochaine fois parce que c'est, outre la réglementation, c'est quand même aussi, si le rating financier des entreprises se met à être fait à l'aune de cette finance verte, ça va aussi changer les comportements. Mais moi, je disais, c'est ce qui me rend quand même très, 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 très plein d'espoir, c'est que j'ai vu cette montée, cette volonté de changer la façon de travailler, la façon de consommer en interne à l'entreprise. Et on a fait tout un point général de l'entreprise sur qu'est-ce qu'il faut changer. Est-ce qu'il faut qu'on ait un compteur individuel de carbone, chacun? Est-ce qu'il faut qu'on change les flottes de voitures? Est-ce qu'il faut qu'on change la façon dont la cantine, plus une seule bouteille de plastique, etc. Et il y avait une foultitude d'idées et venant des jeunes, et puis l'attirance, alors que c'est une entreprise qui attire globalement pas beaucoup les jeunes, mais quand ils ont vu, en fait, pour ces secteurs qui bougent, et massivement au sein de Total, moi je trouve que ça fait en interne il y a une très grande changement des mentalités individuelles, très très forte. Et donc je pense que si c'est à l'aune d'une entreprise, c'est une petite population, je pense que ça peut quand même donner un espoir. Alors bien sûr c'est des gens diplômés essentiellement dans les grandes capitales, c'est pas, il y a toute une frange de la population, mais ça peut quand même s'aimer. Je pense qu'il y a une prise de conscience encore, et je pense que chacun peut y contribuer, le collectif qui demande, et donc un changement de comportement, de cœur individuel, qui est possible, parce que je crois que je l'ai vécu au sein de cette entreprise. Moi, j'aurais fait une réponse pour les gens qui sont dans une entreprise qui sont dans des entreprises à salariés et qui sont du secteur privé. Un sujet qui m'est cher, si vous êtes capable dans votre entreprise de créer des indicateurs qui vont dans la bonne direction, autour de l'efficacité énergétique, de la réduction des émissions, voire que vous ayez un bilan carbone, hein, c'est beaucoup aidé maintenant les bilans carbone, même pour les PME. Donc si vous êtes capable de mettre en place des indicateurs, est-ce qu'il serait possible, par exemple, qu'au niveau de l'intéressement de l'entreprise, parce qu'il y a probablement un intéressement dans l'entreprise, pas toutes, hein, mais il y a quand même des millions d'entreprises qui ont de l'intéressement aujourd'hui, mettre en place des indicateurs qui soit partagé par tous, indicateur d'ailleurs qui pourra peut-être un jour être transposé aussi aux dirigeants d'entreprise. Mais ils le sont, Michel. Ils le sont dans un certain nombre d'entreprises. Hein. Sur scope 1, scope 2, scope 3, les primes des cadres de Total sont indexées sur le scope de l'entreprise. Qu'on participe à un effort collectif où on dise à tout le monde, bah voilà, ça sensibiliserait plus les gens parce qu'ils verraient qu'effectivement, alors c'est une petite chose la participation à l'intéressement, encore que, ça dépend des entreprises, mais que l'intéressement...
Alors, vous savez qu'historiquement, l'intéressement, souvent, c'est des sujets de sécurité, ou ça peut être... Non, on pourrait avoir une nouvelle thématique qu'on sortirait pour dire, ben, c'est bien la qualité, c'est bien la sécurité, ah, oui. Mais peut-être des indicateurs autour de ce sujet de la transition pour que collectivement, on le porte. Voilà, c'est une chose. Ça, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui seraient concernées par ça. Cette webconférence touche à sa fin avec beaucoup de questions en ligne. Alors, je tiens à remercier tous les participants pour les questions, pour les suggestions et les éclairages qu'ils nous ont donnés, des personnes qui ont même proposé des liens Internet pour continuer à se documenter. Sur cette documentation, Michel insistait aussi sur l'importance de la sensibilisation et bien comprendre ces enjeux. Le MCC vous propose au moins une fois par mois de vivre la fresque du climat, qui est un atelier de 3 heures qui permet de bien comprendre les causes et les conséquences du changement climatique dans l'objectif de mieux orienter l'action. Il y a déjà une centaine de membres du MCC qui l'ont fait. 120 000 personnes en France l'ont déjà fait. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Les entreprises, les grandes entreprises dont je ne citerai pas le nom, mais ont même décidé de la déployer en interne pour tous leurs salariés. Et ça fait quasiment 200 000 salariés à L2. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour mieux comprendre les ordres de grandeur. Je voyais la déforestation par-ci, par-là. La déforestation, bon, effectivement, ça émet du CO2, mais c'est de l'ordre de à peu près 15%, donc ce n'est pas la grande majorité. Donc, autre petite annonce, à la suite de la fresque du climat, je crois que c'est passé dans un petit message, il y a aussi l'atelier 2 tonnes qui vous permet de comprendre comment passer de 12 tonnes de votre empreinte carbone, enfin de l'empreinte carbone moyenne d'un Français, à 2 tonnes. Ce n'est pas une mince affaire, vous le verrez bien. C'est des super ateliers qui sont collectifs, avec de l'intelligence collective, c'est vraiment très bien. Je vous remercie une nouvelle fois Marie Dansert de Lacroix de nous avoir fait le plaisir de modérer cette heure 15 ensemble. Gabriel Gauthier, Michel Lepetit, très grand merci à vous. Nous poursuivrons ces échanges lors de prochaines conférences, notamment une sur le rôle de la finance dans la transition climatique. Très bonne soirée à chacun et à chacune, et à bientôt.